dit, dans la rue, il y a deux sortes de personnes qui font pas long feu. L'ancien qui sous-estime la rapacité du jeune et le jeune qui sous-estime l'expérience de l'ancien. T'as compris ? Votre boîte a de l'ancienneté dans les métiers du bâtiment et nous avons pris connaissance de votre bilan qui est assez impressionnant. Il nous faudra un terrain le mois prochain. On peut le faire. J'ai rien dit à Dumba par rapport à ton exclusion. Mais c'est fini, nous. Je te couvrirai plus. T'as la mémoire courte ou quoi, toi ? Je t'ai jamais rien demandé, nous. Je t'ai jamais demandé de prendre pour moi. Oui, je sais. T'as pas besoin de demander. Si tu te fous de ma gueule sur ce coup, je te lâcherai pas. Comme ça que t'as connu bien, ami. Qu'est-ce que t'essayes de nous faire, là ? T'essayes de te refaire une nouvelle vie ? C'est le nouveau Dumba, c'est ça ? J'en ai assez de faire de la rédaction. Même si je dénichais mes propres clients de mon côté, je trouverais jamais assez de temps pour m'en occuper. Pas devenir avocat pour faire ça. Tu sais que j'ai dû me battre avec le proviseur pour éviter que tu sois exclu définitivement. Comment voulez-vous qu'on nous aime ? Entre nous, on se déteste. Et toujours, vous êtes là à dire, moi, ma mère, je l'aime. Je vais lui ramener le million à la maison. Vous savez ce que vous allez offrir à la dame ? C'est un cercueil. Tu crois que tu vas m'utiliser, moi, pour te débarrasser de tes ennemis ? Non, t'es pas un assassin, toi, Dumba. T'es dans l'isolation, maintenant, non ? Qui est-ce qui a fumé sa nuit ? Ça peut pas être Abdou, c'était son pote. Ce sont des choses qui arrivent. Un sourire, une belle parole, une intention peuvent changer la journée de celui à qui on les destine. Et une journée peut changer le cours d'une vie. C'est pourquoi nous devons tous faire preuve d'exigence envers nous-mêmes et cesser de répéter les mêmes fautes. T'es prêt ? Je te préviens, on fait pas ma charia.